L'invité du grand entretien, c'est la députée européenne, la France insoumise Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct euh, en ce dimanche matin, Manon Aubry. On va euh, parler de, de plusieurs sujets. On parlait ce matin avec nos auditeurs de euh, ces sanctions évoquées par le gouvernement euh, pour les bénéficiaires du RSA qui euh, n'accepteraient pas de suivre euh, des formations. On y viendra avec vous. D'abord, un mot de ces manifestations d'extrême droite. Il y avait six rassemblements qui ont été... Interdit par la préfecture de police de Paris ce week-end. Et plusieurs de ces interdictions ont été retoquées par la justice. Le groupe Action Française a pu tenir un colloque hier sur la France en danger, avec parfois des individus masqués ou habillés en noir. Aujourd'hui, ils vont pouvoir manifester en hommage à Jeanne d'Arc. C'est choquant ou c'est la liberté d'expression et la liberté de manifester Dans notre pays, la liberté d'expression et la liberté de manifester est libre et entière mais elle ne peut pas conduire à de l'incitation à la haine. C'est le cadre qui est fixé par le droit et la loi. Et je constate qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un pays où des manifestations d'extrême droite, qui sont un danger pour l'ordre public, une partie d'entre elles sont autorisées, la semaine dernière aussi, le week-end dernier, dans Paris alors que des casserolades pour accueillir le gouvernement et protester contre la réforme des retraites, qui ne nuit absolument pas à l'ordre public, mais vise à démontrer une opposition à la réforme des retraites elles sont la plupart du temps euh, euh, refusées et euh, interdites. Donc, il y a quand même une, une forme de paradoxe énorme. Après, ce que je constate, c'est qu'enfin, on parle du danger que pose l'extrême droite. On en parle aussi avec... Euh... — est-ce qu'on leur fait pas de la pub plus qu'autre chose Parce qu'ils sont quoi Ils sont quelques dizaines ?— Vous avez raison euh... qu'ils sont, ils sont pas nombreux. — Est-ce que finalement, en, en les interdisant, en les envoyant devant la justice, avec la justice qui au final retoque ses décisions, est-ce que ça leur fait pas plus de pub finalement euh, que si on n'en avait pas parlé du tout ?— Non, je pense pas, parce que je... on vit dans un état de droit et j'espère que le droit pourra être respecté et qu'on arrête enfin l'impunité dont jouit l'extrême droite. Et cette extrême droite, qui monte, qui est une des raisons pour lesquelles le maire de Saint-Brévin Il y a eu des de groupes dissous, il y a eu génération identitaire, les Oeufs de Paris je qui ont été dissous par le gouvernement. Je constate quand même que Gérald Darmanin est un peu plus actif quand il s'agit de se prendre, s'en prendre à des associations écologistes plutôt qu'à des groupes d'extrême droite. Et euh, quand je vois que le maire de Saint-Brévin euh, démissionne parce qu'il est menacé par l'extrême droite, je le redis puisque Elisabeth Borne, dans son interview, a l'air de vouloir cacher le sujet. Pire, non seulement elle ne nomme pas les raisons de la démission euh, du maire de Saint-Brévin, mais en plus, elle donne de nouveau un brevet de respectabilité à l'extrême droite. Dans son interview de ce matin dans le JDD, elle va quand même jusqu'à dire, euh, j'ai pris euh, sa citation euh, exacte, qu'elle euh, note que Marine Le Pen et le Rassemblement national respectent les formes, contrairement à la France insoumise. Mais vous voyez euh, dans quelle aujourd'hui euh, France on vit, on a Juste la Première être ministre. De, de quoi elle parle quand elle dit respecte les formes Elle, 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 elle quoi parle à l'Assemblée nationale, pardon. Et donc, mais c'est un, un respect de vous voyez ce brevet de respectabilité qu'elle donne à l'extrême droite et dans le même temps de diaboliser la gauche la nupes Jean-Luc Mélenchon à la fin vous devenez simplement le marchepied de l'extrême droite, bon c'est le jeu non, dangereux auquel sur, joue. Si ce on revient au sujet, vous, vous soutenez la décision de Gérald Darmanin, en tout cas, d'interdire systématiquement ces manifestations. En tout cas, je, je je soutiens que systématiquement euh, la justice puisse faire son travail et interdire toutes les manifestations de l'extrême droite mmh. qui sont dangereuses. Alors pour vous, les prochaines manifestations, c'est le 6 juin, nouveau rendez-vous contre la réforme des retraites. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que les Français soient déjà passés à autre chose, soient euh, quelque sorte un peu résignés? C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des prix au supermarché, de l'inflation, plus finalement que de la retraite à 64 ans. C'est le jeu qu'essaie de faire le gouvernement, Emmanuel Macron, qui s'agit à peu près dans tous les sens pour essayer de faire avaler la pilule et faire la démonstration qu'on est passé à autre chose. Mais euh, c'est pas vrai de penser que euh, les Français ne pensent plus à la réforme de la retraite. Évidemment, quand on se lève le matin et qu'on doit aller faire ses courses, on pense aussi à ce sujet et que ils se ton... Ça tombe bien, il se trouve que les sujets sont liés à la politique économique du gouvernement. Mais non, on n'est pas passé à autre chose. Et d'ailleurs, il y a une prochaine mobilisation le 6 juin et une loi, n'en déplaise à Elisabeth Borne, qui est déposée le 8 juin pour. Abroger cette réforme des retraites, que cette loi elle a toutes les chances de passer, raison pour laquelle le gouvernement s'active autant. Ils essayaient d'utiliser l'article 40 de la Constitution pour essayer de retoquer la loi. Vous le voyez, c'est les mêmes méthodes d'anti-parlementarisme. Et là aussi, Elisabeth Borne, dans son interview ce matin dans le JDD, elle dit que c'est irresponsable euh, de, euh, de penser... faire croire que cette proposition-là pourrait prospérer. Pourquoi Parce que même si elle est adoptée à l'Assemblée. Ensuite, elle ne va pas être adoptée au Sénat. Mais ce qui est, ir... ce qui est irresponsable, c'est de nier la souveraineté de l'Assemblée nationale, de nier la capacité de l'Assemblée nationale à faire et à défaire les lois. Mais dans quel monde on vit Dans quelle démocratie on vit quand euh, un, euh, une Assemblée nationale n'est pas capable de voter elle-même la loi Je trouve que cette phrase est assez révélata... Véré... révélatrice pardon, de ce que euh, Elisabeth Borne pense de l'Assemblée nationale. Elle finalement. dit aussi que c'est irresponsable de faire croire aux Français qu'on pourrait abroger cette réforme et Faire prospérer le, et, et poursuivre le système des, des retraites. Une fois qu'on abroge, on fait mais quoi Attendez, six mois après, on en, ça fait quand même six mois qu'on a ce débat sur les retraites et vous avez encore Elisabeth Bond qui vient dans des médias dire Mais attendez, mais tous ceux qui vous ont dit qu'il y avait des alternatives à cette réforme des retraites, ils vous mentent et les Français n'ont pas bien compris. Mais... C'est incroyable quand même qu'on en soit encore là. Six mois après, on a un espèce de disque rayé d'Elisabeth Borne. Je crois qu'on a eu le débat maintes fois. On a montré qu'il y avait plein d'alternatives pour financer nos retraites, à commencer par mettre à contribution tous ceux qui gagnent le plus. Donc, franchement, je, je, je... Elisabeth Borne, elle est encore dans un déni. Total, complètement déconnectée de, de la réalité, et c'est la démonstration aussi que je pense qu on peut gagner parce que je sens une fébrilité aussi mmh. chez elle. Alors il y a le sujet de l'emploi. On a vu Emmanuel Macron se déployer sur le terrain cette semaine pour annoncer des nouveaux investissements en France. D'ailleurs, il fait le lien aussi avec les réformes difficiles en disant c'est grâce à ces réformes qu'on réussit à créer des emplois en France. Et puis il y a France Travail, la prochaine loi qui, qui arrive avec des sanctions, la Première ministre le confirme, des sanctions contre les bénéficiaires du RSA s'ils n'acceptent pas les parcours de formation qui leur seront proposés pour les raccompagner vers l'emploi, ça pourrait aboutir à une suspension des aides. Pour vous, là, c'est une ligne rouge qui est franchie Oui, ce n'est pas la première. On voit qu'à chaque fois que euh, le gouvernement euh, veut lutter contre la pauvreté, euh, en réalité, il lutte contre les pauvres. Je vous rappelle que vivre avec le RSA en France, c'est 600 euros par mois. Je me défie d'ailleurs, Elisabeth Borne, de vivre avec 600 euros par mois, et on verra si elle vient donner des leçons de cette manière-là. On voit que toujours, il ils essaient de déporter la responsabilité sur les plus pauvres. C'est la même chose qu'a fait euh, Emmanuel Macron cette semaine, où il va dans une usine, il parle de euh, désindustrialisation et il dit, que si la France a été désindustrialisée, c'est quasiment la faute des ouvriers parce qu'ils ont travaillé moins. Mais vous, vous voyez le, le niveau de provocation que fait ce gouvernement. Mais ce que nous disait Yves, un auditeur d'RMC ce matin, c'est que finalement, ça permettait aussi de se former pour trouver un nouvel emploi. Pourquoi ça serait stigmatisant Pourquoi on stigmatiserait les pauvres parce que Il faut vous bien vous... trouver un nouvel emploi, des... se former. C'est une chose de vouloir former euh, les... ceux qui sont au RSA, c'est une autre chose de les menacer de ne plus obtenir euh, le RSA en fixant un certain nombre euh, de... C'est du donnant-donnant. Ils reçoivent des mais, aides, mais ils doivent aussi... C'est ça la logique, un, en tout cas, qui est C'est un droit social, hmm. en fait, euh, le RSA. C'est un droit dans notre pays, et avec 600 euros, je le rappelle, vous vivez bien en dessous du seuil de pauvreté, et allez demander à n'importe quelle personne qui, aujourd'hui, bénéficie du RSA et ça en France, s'il ne voudrait pas avoir un travail et un salaire décent. Mmh. Voilà. Et le prochain auditeur qui est au RSA ça va répondre à la question, ça doit être un droit inconditionnel. Exactement. On, 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 on l'a bien compris. Emmanuel Macron demande une pause dans les normes environnementales européennes. Sa déclaration a fait beaucoup parler cette semaine. Vous qui êtes au Parlement européen, qui justement avez à traiter de ces normes environnementales européennes, sur quel sujet euh, on renonce si on, on ne crée pas de nouvelles normes environnementales Emmanuel Macron ne veut pas... Annuler celles qui existent, il dit juste qu'il ne faut pas en rajouter d'autres. Ça veut dire que c'est un renoncement pour vous D'abord, le chaos climatique, lui, s'est pas mis sur pause. Vous avez tous constaté euh, les, la sécheresse au mois d'avril-mai qui est déjà là euh, et le dérèglement climatique va, va à tout va. Et puis, euh, deuxième chose, je, le président de la République, il sait ce qu'il dit. Euh, je veux dire, il n'est pas idiot, c'est un responsable politique chevronné. Et il sait qu'en disant ça, il fait écho au débat qu'on a en effet au Parlement européen et à Bruxelles. Sa phrase a d'ailleurs fait beaucoup parler. Et il donne le point à la droite et à l'extrême droite qui en ce moment essaient de saper méthodiquement l'ensemble des mesures de lutte contre le changement climatique. Et euh, on le voit depuis quelques mois au Parlement européen, la droite et l'extrême droite ont ensemble essayé de freiner, par exemple, l'interdiction des moteurs thermiques. L'ensemble des lois du, du paquet climat au niveau européen n'ont pas encore été adoptées. Et c'est un signal politique finalement qu'Emmanuel Macron envoie, que la France est prête à lâcher l'ambition climatique au niveau européen. La campagne de 2024 des Européennes a peut-être déma démarré. Emmanuel Macron a déjà choisi son cran, celui euh, de la droite, climato-sceptique. Il y a un signe qui ne trompe pas. François-Xavier Bellamy, qui était la tête de liste pour les Républicains en 2019, a applaudi des deux mains en disant C'est exactement mon discours. Voilà, je crois que le choix d'Emmanuel Macron est très clair. Et si on veut de l'ambition climatique, euh, il va falloir en finir avec tous ces climato-sceptiques. Alors, justement, vous nous faites une transition pour parler de la campagne des européennes, parce que alors, les Français ne sont pas encore totalement non, vous avez euh, dedans, mais il y a des élections européennes dans un an. Et on en parle déjà, en tout cas en interne dans les partis. Euh, vous vous avez choisi votre camp. Vous voulez faire liste commune avec les écologistes. Donc à l'intérieur de, de la Nupes, avec toute la Nupes, avec l'ensemble de, de la Nupes, les écologistes, eux, ne sont pas totalement euh, euh, partants. Est-ce que là, ne se révèle pas finalement euh, les faiblesses de, de, de la Nupes qui a fonctionné autour de Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle, mais qui, là, sur la question européenne, on se rend bien compte que vous n'avez pas la même vision que de l'Europe avec les écologistes. C'est pas vrai. Euh, vous savez, quand on a négocié le programme de la Nupes il y a un an, il y a un chapitre entier qui porte sur les questions européennes et qui euh, n'inscrit pas de désaccord dans ce texte en commun si euh, nous étions amenés à gouverner. C'est la première chose. La deuxième chose, je suis élu au député, euh, député européen depuis quatre ans. Depuis quatre ans, plus de 80 de nos votes sont en commun avec notamment les écologistes et euh, les élus de la Nupes. Les écologistes puis, disent le diable la... se cache dans les autres 20 parce que. C'est pas vrai quand même que Jean-Luc Mélenchon a fait campagne euh, l'année dernière euh, sur euh, la désobéissance oui au traité européen pour appliquer le programme français. Et... Et vous savez, euh, l'ancien secréta... secrétaire national de LV a écrit un, un petit bouquin euh, euh, qui s'appelle ⁇ Désobéir pour sauver l'Europe ⁇ La notion de désobéissance, elle est connue euh, par les écologistes. Et les écologistes, comme nous, ils sont pour euh, pouvoir maintenir des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour que les prix n'explosent pas. Et ça, il faut désobéir aux règles européennes. Et enfin, on nous dit depuis un an, euh, toutes les semaines, tous les jours, la NUPES va mourir. Mais en réalité, la Nupes elle correspond à l'attente des citoyens, des électeurs de gauche. Il y a un sondage qui a indiqué que 76 des électeurs de gauche veulent une liste commune de la Nupes aux européennes. Et l'enjeu, il est quoi C'est celui de gagner, c'est celui de finir en tête. Il y a un sondage dans JDD qui sort aujourd'hui qui place la Nupes en tête au coude à coude avec le Rassemblement à -coude, national. Au à -coude. Hmm. Oui. Et donc, je le dis, alors qu'on n'a pas commencé la campagne depuis quelques jours, on n'arrête pas de nous dire, vous avez des désaccords insurmontables avec le reste de la NUPES, et pour autant, on nous met déjà en C'est les tête. écologistes qui le disent, ce n'est pas les journalistes. C'est les écologistes eux-mêmes qui disent que ce n'est pas bien, possible. Je crois avoir fait la démonstration, j'ai notamment répondu longuement à Marine Tondelier, euh, sur les accords de libre-échange, sur la politique agricole commune, sur l'ambition climatique, sur les règles budgétaires, sur toutes ces questions que l'on vote, Concrètement, au Parlement européen, oui, nous sommes en accord. Et Donc imaginez l'espoir. Les à, négocier, à négocier avec vous. Oui, moi, je propose qu'on ouvre trois chantiers d'ici l'été. Un, qu'on puisse faire le bilan du mandat passé. Deux, ouvrir des discussions programmatiques. Trois, discuter des priorités pour cette campagne. Et je pense que l'enjeu c'est d'être à la hauteur de l'espoir. Tous les gens qui nous regardent et qui ont un moment dans leur vie voter à gauche. Euh, j'ai envie de leur dire, oui, on peut être une alternative à l'extrême droite et à, euh, aux macronistes. On peut en faire la démonstration dès les élections européennes de l'an prochain. Et moi, j'ai envie que cet enthousiasme, on le nourrisse et qu'on le traduise concrètement en remportant Merci. cette élection. Merci Manon Aubry d'être venue ce matin sur RMC. Chef de file des Insoumis au Parlement européen. Très bonne journée à vous. Bon Merci. dimanche.